CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon. CQO, CQO, CQDX. Appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon, ville Arcachon. CQO, CQO, CQDX. Appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon. Ouais, il m'a semblé entendre quelqu'un derrière, c'est très QRP. J'ai un poil de QRM de mon côté. Et c'est complètement vraiment inaudible, hein. C'est vraiment parce que là j'ai bien tendu l'oreille qu'il m'a semblé entendre quelque chose. Les 73, la station de la part de Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon. Je tenterai un peu plus tard. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon. Bon. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile, sur Sud-Ouest France, bassin d'Arcachon. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon. Et oui, la propague en ce moment, elle est le soir, elle n'est pas la journée. Dommage. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon. Alors là, on est entre Arcachon et la Dune du Pilat, là, en haut là, d'une corniche. Là, on ne voit pas trop bien ici, mais là, on a un super paysage là devant nous. Dommage qu'il y ait des voitures de stationner. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon.
CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, juste en face de l'entrée du camping des Flots Bleus, au pied de la dune du Pilat. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, au pied de la dune du Pilat. Des jours on gagne, des jours on gagne pas. C'est ça, la pêche au contact. Bon, il y a du monde là sur la dune du Pilat, comme à la plage, c'est pareil. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi. En mobile sur le bassin garde d'Arcachon, l'autoroute d'Arcachon. Comme ça. Ouais. Tu vois, c'est le samedi. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon, l'autoroute d'Arcachon à 660. Alors, vu la limitation de vitesse, on risque pas grand chose. Je suis à 10 km/h. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon, l'autoroute d'Arcachon. Bon, ben, on dirait que c'est zéro propague là pour la minute même. On verra tout à l'heure. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le bassin d'Arcachon, l'autoroute d'Arcachon. J'ai cru entendre quelqu'un, mais bon. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile, sur le bassin d'Arcachon, l'autoroute d'Arcachon. Ah bah c'est bien ce que je disais, on verra tout à l'heure. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, sur la A63.
CQ DX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, sur la A63. Sur le camping-car là, que je viens de doubler là, pour Dundee 33 qui là s'appelle. Attention le camping-car là, que je viens de doubler là, pour Dundee 33 qui là s'appelle. Il avait une belle antenne sur une base magnétique de plaquer sur la portière gauche de ce camping-car. Alors je me suis dit, bon, normalement, hein, il devrait être en fréquence à Chicoaco. Appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, la A63. Bordeaux, 21 km. CQ DX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, sur la A63. Eh bien, c'est pas grave. Station de station fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle. Alors ceux qui vont en direction du pont François Mitterrand, voire même en direction de l'Espagne, c'est une très mauvaise idée. C'est bouché, bouché, bouché. Résultat, c'est par là que je voulais passer, mais en fin de compte, mais tant pis, je fais le tour par le pont d'Aquitaine. Ouais, j'ai entendu quelque chose, parce que des fois, ce ne serait pas Barracuda 56 que j'ai entendu dans le lointain. Non, plus rien, c'est pas lui. Hein. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle, en mobile sur la rocade de Bordeaux. Il est 18h, d'un côté il y a ceux qui sont déjà rendus chez eux, de l'autre côté ceux qui n'ont pas envie de répondre.
à faire un petit tour de galette. Parfois ça arrive, c'est comme ça. Mais un seul tour de galette ne suffit pas pour savoir. Il suffit que je sois passé sur le canal au moment où c'était entre deux prises de micro. Et puis évidemment, ça donne l'impression qu'il n'y a personne. CQ DX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux. Et 73 Jacques de la part de Rémi. Allez, amitié. C'est trop calme côté propag, hein. J'arrive du bassin, c'est pareil, hein. Rien là à cette heure-ci, quoi. CQ DX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, la rocade de Bordeaux. Véhicule en panne à 2 km. Et 73 Patrick. Oui, les 73 de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, Dandy 33 en mobile sur la rocade de Bordeaux. Ah, ok, la méthode 27 540. 27 540, c'est parti. J'y suis, les bonnes 73-51 à toi. Chaud, très chaud. On arrive du côté de Lacano, là, du bassin d'Arcachon. Et chaud. Et au niveau circulation, à l'aller comme au retour, eh bien, je peux te dire qu'on a eu le temps de voir d'apprécier le paysage. Et là actuellement je roule à quoi? Je suis à 10 km/h. Et tu vois, il est 7h moins de quart. Et on n'est pas encore sorti de la hachie. J'ai beaucoup de QRM, je sais pas. Oui, je pense que tu m'as repassé le micro, oui, je suppose. Bon, autrement, à part ça, ça va. Hein. Voilà, cet après-midi, voilà, j'ai lancé quelques appels. Mais bon, comme en ce moment, la propague est plutôt du soir, voire même très tard le soir, eh bien, j'ai fait chou blanc. Ah, chie. Ok, je t'entends mal, là, dès que t'es décalé, là, c'est pas ça, mais quand ça vient dehors, on commence à arriver, là, je viens. Au
Ok, voilà. Est-ce que comme ça, ça va mieux de ton côté, là? Non, ça commence à être plus comestible, oui, ça va. Ok, voilà. Ouais, c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, là, qu'on a des températures d'été, il faut que je me mette là 100 Hz au-dessus, là, pour que ça soit mieux, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Bon, mais c'est bien. Bonjour, mais attends, je viens de passer sous un pont, là c'était un petit peu hard. J'ai fait quelque chose. Ah mais tu parles de l'Assemblée Générale là, du week-end du 31 mars, 1er avril. Non, c'est pas ça. Avec les camions et tout ça, les QRM qui a de ça sur la rocade, là c'est vrai que c'est pas évident d'être sorti. Hein. Hop là, excuse-moi, on a repris le micro en même temps. Ouais, je disais qu'avec les QRM et tout là que j'ai là sur la rocade, avec les camions et tout, c'est pas évident là pour te sortir. Ouais, mais dans mon côté, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à te sortir aussi à propos de QRM. Eh bien, il y a tellement de camions que j'arrive pas à voir les panneaux. Le seul que je peux te dire, c'est que j'en ai un en face de moi qui me dit limité à 90. Ben, il a de la chance parce que j'aimerais bien y être à 90. Ouais. Et autrement, non, mais là, plus sérieusement, je vois pas du tout ce que je pourrais te dire. J'ai l'impression que dans le coin, ils ont l'air de vouloir construire un nouveau pont. Si ça te dit quelque chose. Autrement au niveau, j'ai aucune sortie en vue là pour le moment. Hein. C'est non, j'ai rien en vue du tout là pour le moment. Hein. La sortie 8. Ah ok d'accord. Ok. Bon, mais c'est bien. Bon, mais j'ai pas entendu au niveau du niveau des cuissons nationales le soir là. J'ai fait des vidéos avec les copains là. J'y vais plus trop là en ce moment. Là, il y a quelques petits trucs qui se sont passés que je préfère pas te dire là-dessus. Voilà. Bon, ben, ils ont fait un choix, ben, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. J'ai d'autres occupations, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, ben, ok, d'accord, mais vraiment, bon, il faut quand même un petit peu, quand même. Ouais, je sais, mais... ça devient un peu plus, forcément, ça devient plus moins bien, quoi. Mais c'est sûr que là, niveau fréquence, t'as rien raté là cet après-midi. C'était le câble plat. J'ai essayé plusieurs endroits là sur le bassin, même du côté de la dune du Pilat, tout ça. Là, on est allé dans plusieurs endroits par là, et à chaque fois c'était le silence là en BLU. Et t'as rien raté pour cet après-midi. Hein. Ok, au fait, tu me dis si ça te dérange ou pas. Là, je fais une petite vidéo en ce moment. Si ça te dérange, je coupe, hein, et puis voilà. Hein. Ok, non, je préfère te demander quand même. Au moins comme ça, c'est clair, net et précis. Et puis voilà.
Alors, ah ben t'es, je suis pas loin, je suis à quoi, peut-être à 200 mètres de la sortie 7. Sortie 7, c'est le Bousca, je crois. Ah ok, mais ouais, ça te fait une radio de 5, un signal de 5, c'est 55 là, à la hauteur. Ok, alors je tendrai de mon côté, ben c'est pareil. Voilà, en plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir un petit dégagement là entre les camions. Donc c'était impeccable, ça a pu passer. Là, ça doit peut-être à nouveau se cacher. Mais c'est quoi ce pays SK, en plaque d'immatriculation, SK, c'est quel pays ça? Du coup, je t'ai pas reçu parce que là j'étais saturé de QRM. Oui, tout à l'heure tu parlais des photos. Oui, tu fais allusion à l'assemblée générale qu'il y a eu là, le 31 mars, 1er avril dans la Creuse. C'est bien ça? Oui, oui, voilà. Oui, parce que oui, 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 c'est basé par où commencer. On était tous invités là-bas. Là, à participer là, à cette assemblée générale, vu que je suis membre de l'ERCI. Et puis en même temps, il y a eu un vote, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a eu pas mal de trucs là, qui se sont faits là, durant l'assemblée générale. QRM. Oh la vache, QRM sur la rocade. Oui, dans l'ensemble, j'ai compris. Hein. Oui, parce qu'en plus de ça, durant l'élection, eh bien, j'ai eu la surprise de voir que je figurais sur les listes du bureau. Et du coup, mais j'ai été élu adjoint au responsable des communications radio et CB. Quoi. Oui, d'accord, ok, ouais, c'est ça, mais oui, c'est ok, avec les communications radio et CB, d'accord, c'est bien. Et ça passe. Là, tu m'as dit un truc, là, j'ai pas compris, là, je suis désolé. Que tu dis, il est sympa. Ah oui, 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 non mais là toute l'équipe là c'était vraiment super cuéro, tout le monde est vraiment sympa et tout, c'était vraiment bien quoi. Alors le truc marrant c'est que autant quand tu m'entends en radio comme ça, ben, ça coule tout seul, même parfois trop, puisque c'est dur de me faire lâcher le micro, autant que là quand il a fallu que je prenne le micro là devant toute l'assemblée, j'avais qu'une envie, c'est de me cacher là tout le souris. Ben, mais disons que ce qu'a fait ça aussi en même temps, c'est que je suis arrivé là-bas pensant qu'au niveau des associations, plus personne n'utilise la CB. Ça, c'est le genre de message hein, qu'on voit partout sur Facebook. Les associations n'utilisent plus la CB, ceci, cela, ainsi de suite. Donc moi, je m'étais fait mon speech en tête dans ce sens-là. Je me suis dit, ok, on va les réveiller, on va essayer de leur redonner envie et tout ça. Et tout le long du week-end, j'ai discuté avec tout le monde. Et surprise, toutes les associations qui étaient présentes, en tout cas là-bas, utilisent bel et bien les CB. Et j'ai pu voir dehors sur les véhicules, les antennes CB qui étaient bien présentes sur le parking. Et du coup, dimanche début d'après-midi, oui je crois que c'est ça, quand j'ai pris le micro, eh bien, je savais plus quoi dire. Comment convaincre des gens qui n'ont jamais arrêté la CB de reprendre la CB? C'est un peu charabia ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors pour le coup, je ne savais plus quoi dire. Et vite, fallait que je trouve un truc à dire. Quoi. Bon, je me suis débrouillé, mais c'est vrai que j'ai un petit peu tourné en rond. Je me suis senti un petit peu couillon sur le coup. Quoi. Oui, en fait, c'est ça. Il y a des clubs qui fonctionnent encore et que j'attends, oui, parce que ça, actuellement, les TBA, ça va, ils font beaucoup de trucs
De course, c'est tout, donc c'est autre chose, mais c'est bien. Il faut bien, c'est quelque chose à ça. Voilà, impeccable. Voilà, nous on fait la radio, moi je suis spécialisé dans la radio, et c'est avec eux, c'est plutôt dans les courses, voilà. Bon, mais c'est bien aussi, voilà, les signaleurs et tout, c'est sympa. Ouais, et si je me trompe pas, c'est le 1er juillet, je crois. Il doit y avoir l'expédition FCBA 33 sur la butte de Launay, hein, comme chaque année. Ouais, il me semble, de mémoire, c'est ça, ça doit être le 1er juillet. Hein. Ah, ok, qu'est-ce qu'il fait le 1er juillet? Alors, si je me trompe pas sur la date, tu dois avoir l'expédition radio FCBA 33. Sur la butte de Launay qui se trouve par chez moi, là, pas loin là-bas, pas loin de la Dordogne. Ah ok, d'accord, il faut un expédition radio. Oui, affirmative, ils le font depuis déjà plusieurs années. 2017, j'ai pas pu aller les voir. 2016, j'y suis allé, j'ai été les retrouver là-bas. Alors, et ils font ça en même temps avec le club de club radio amateur de Libourne. Ouais, je vois que ça passe mal. L'expédition DX sur la colline, sur la butte de Launay, là, pas loin de la Dordogne, ils se partagent l'expédition, ils se partagent la colline avec le club radio amateur de Libourne. Voilà, d'accord, ils font moitié-moitié de chacun. Oh la vache, là c'est vraiment ardu là pour te sortir. Hein. Là je prends des brides par moment, là j'arrive je regroupe là, tous les morceaux que tu m'envoies. C'est bon, j'arrive à comprendre ce que tu me dis quand même. Alors là je crois que je dois être dans le virage de la clinique Jean Vidard, si je me trompe pas. Ouais, ah là t'es bien passé là. Oui voilà, je suis dans ces coins là. Hein. Ouais, je reconnais le mur, là, la palissade là qu'il y a sur la droite. Hein. Ouais voilà, je suis de ce côté-là. Quoi. Et toi là on avance vraiment tout doucement. Hein. Oui, on voulait prendre le pont François Mitterrand, mais là pour le coup c'est encore pire. Tout le monde est à l'arrêt là, de l'autre côté, alors choisir entre avancer tout doucement ou être carrément à l'arrêt, bon, on a choisi d'avancer doucement. Ah ok, d'accord, oui, ah, ben oui, c'est sûr. Et le pont, ça va dans le bas, non, on voit que c'est pareil, c'est aussi le bazar. C'est le bazar partout, hein. C'est pas le pont, ça, ouais. Le pont François Mitterrand, là qu'il est, ça va commencer à se passer, là. Ouais, parce qu'en plus, là, alors attends, on est parti vers quelle heure, Fabienne, de par là-bas, vers 17h par là 17h30 ouais, aux environs de 17h, 17h30 qu'on est parti là de la Cano. Tu vois, là, ben, on a déjà quasiment 2 heures de route. Et d'après ce que m'affiche le GPS, on devrait arriver chez nous vers les 20h15. Voilà à peu près ce que ça donne. Ouais, voilà. Alors déjà, pour la petite anecdote, vendredi dernier, on avait été manger dans un restaurant asiatique sur Martignas. Et là, il se trouve que c'est des anciens amis là, qu'on a retrouvés là-bas. Et du fil en aiguille, on s'est dit, tiens, il faudra qu'on aille voir un tel aussi, là, qui a du côté d'Arcachon, c'est-à-dire la Tasse de Bûche. Eux ont leur restaurant là, de par là-bas, restaurant asiatique aussi, cambodgien, etc.
Et puis après, sorti du restaurant, on est là-bas, on est sur place, et bien autant se balader, profiter un petit peu. T'as aucune place pour stationner, donc tu te promènes en voiture de... parce que t'as pas trop le choix, parce que tu peux te garer nulle part. Et puis bon, j'ai testé quelques petits endroits comme ça, là, au bord de l'eau, pour passer quelques appels, et puis bon, voilà quoi. Puis à un moment donné, quand on voyait comment ça bouchonnait là, déjà là-bas en direction de Bordeaux, on s'est dit, on va peut-être pas trop s'attarder, on a pris la route. Donc oui, on a pris la route vers les environs de 17h. On est sur Bordeaux, tu vois là déjà à cette heure-ci, là il est 19h passé. On profite du paysage. Ah, c'est quand même pas mal sympa des balades comme ça. Au moins, tu vois, habituellement on roule, mais on profite de rien. Là, on a le plaisir de profiter du paysage. C'est quand même, c'est pas rien quoi, hachi. Ah bah oui, quand tu arrives là sur Arcachon, c'est même pas la peine. Hein. On est en large en travers sur Arcachon et rien. Pas une place de libre, et puis de toute façon là-bas tout est payant. Hein. Le moindre centimètre carré sur Arcachon pour te faufiler, pour t'y mettre, est payant. Ah ben oui, maintenant c'est la nouvelle truc qui est bon là, ça sent rien, mais c'est chez vous maintenant, ça sent rien que c'est ça va être mon coup là-bas, hein, j'ai envie. Voilà, mais c'est un peu ce qui se passe. Ouais, voilà, ouais. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même profité de la journée. On est allé du côté de la dune du Pilat. On est passé devant le camping des flots bleus, tu sais là qui sert là pour le cinéma. Voilà, on s'est arrêté devant. Juste devant l'entrée, j'ai lancé quelques appels justement là en DX là pour voir. Je me suis dit, si j'arrive à attraper quelqu'un, ça sera la petite anecdote du jour. Puis bon, après on a continué notre route et puis voilà quoi. C'est bien, Ah ben elle est à côté de moi, elle profite aussi du paysage, on a les fenêtres grandes ouvertes, on prend l'air, on est bien. Ah c'est bien, bienvenue, vous bien tous les deux, c'est pas mal. Ah oui, là ça va, on est tranquille, on est relax, on prend le temps, on profite des vacances, on arrivera au QRA quand on arrivera, et puis voilà quoi. T'as raison, c'est sûr. J'ai appris comment c'est S2000, là, il a fabriqué, ça y est, là, ils ont été à fabrication depuis 18 ans. Ah oui? Ok, t'aurais voulu avoir les nouvelles versions? Là, ils arrêtent à fabriquer ça dans un TS2000. Alors bon, je ne sais pas, parce que moi, c'est un TS2000 TSP, je ne sais pas s'il continue, parce que j'ai vu en Allemagne tout neuf, qui le faisait, donc ça m'étonne un peu quand même. Alors c'est le simple, parce qu'ils en ont sorti deux sortes de... trois sortes de TS2000, alors je ne sais pas si c'est pas le premier ou le deuxième, mais qu'ils arrêtent et ils gardent le dernier, je crois. Le mien, donc, qui fait un satellite. Ok, tiens, t'es en train de me faire penser à un truc quand t'as dit en Allemagne. Tu dois faire allusion au magasin, Vimo, quelque chose comme ça. Un nom comme ça. Et justement, à ce propos, c'est eux qui ont acheté la boîte italienne, Sigma et tout ça. Tu as des news de ce côté-là? J'avais entendu dire que la boîte italienne avait été rachetée par une boîte allemande qui fait les antennes, oui. De toute façon, c'est pas perdu, de toute façon. Ça a été racheté et puis ça fonctionne toujours. Mais bon, après, ça lance des licences allemandes, je sais pas. Alors justement, parce que là à ce niveau-là, pas mal recherche des antennes genre Manteau 28, tout comme ça, et impossible d'en retrouver. Alors justement, là, ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce que compte faire justement Wimo par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'ils vont continuer la production de ces modèles d'antennes ou pas? Je sais pas, c'est pas évident. Oui, mais la mienne, je l'ai descendue, c'est la moto 28, ça y est, je l'ai pliée, elle est
Turbo 8, hein, et Jérôme qui m'a proposé de m'avoir pensé que j'avais acheté la Baraka, hein, qui fait peut-être un kilométrique parce que bon, ça là, elle faisait que 27 mégas, mais t'as que ça là, que j'ai mis là, c'est peut-être bon. De 8 jusqu'au 6 mètres passé, donc c'est intéressant qu'on voit. Ah bah tu m'étonnes, si l'antenne attrape ou quelque chose comme ça, non, si je me trompe pas, non. Oui, c'est l'autre Turin, là, Turin 5, là, Turin 5. Et là, j'avais quand même payé presque 200 euros, à l'époque, c'est cher en fait. Ah oui, remarque, tu sais, moi, l'antenne que j'ai sur le push, c'est pareil, hein, elle est pas donnée non plus. Hein. L'antenne du push, j'ai dû la payer en version perçage 110 euros, un truc comme ça. C'est bien au-dessus de pas mal d'autres antennes de push. Hein. C'est la Wilson 5000. Voilà, je suis dans la montée du pont d'Aquitaine. Donc là, le signal devrait commencer à monter. Voilà, je suis bien radio. Ok, voilà, je me mets sur la bonne droite. C'est bon. Voilà, donc là, le signal commence à monter. Ouais, c'est la Wilson 5000. Ah oui, mais là, ouais, tu passes le signal de 5, tu passes à 9. Là, d'un coup, là, le signal est carré en bas. Mais arrête de temps, pas d'Aquitaine, on va pas d'Aquitaine. Ouais, je viens de regarder. Santiago 7, là, de mon côté. Bon, Radio 5. Ça va, ça passe bien. Ouais, mais là, c'est passé à 9, le signal. Là, c'est bon, impeccable. Ça doit être dans un bon travail. C'est sûr qu'on trouve des bons points et des bons futurs. Ça veut dire que tu mets les points d'Aquitaine, tu mets les warnings et tu dis aux gens, bon, excusez-moi, mais on est en relation avec la principauté de Saint-Capré-Bordeaux. Donc, on fait vrai comme rico. Ok, et pour que de toute façon, pour l'Aquitaine, hein, il est en ferraille, au-dessus de l'eau, pour que ce soit le mieux possible, il faudrait que je le mette en plein milieu du pont d'Aquitaine. Je prends la voie centrale ou la plus à gauche, je fous les warnings et j'arrête là. Hein. C'est bien ça l'idée, j'ai bien compris. Achille, toi, coup. L'idée, c'est ça. Mais enfin, bon, j'ai un déconseil quand même. Putain, là, oui, ça arrose. Hein. Ah, là, oui, ça passe. Oui, ça fait un signal, ça monte presque à 10 là, ouais, ça commence à monter là, c'est un plus 10 là, ouais. Ouais, ça s'arrête à 10, mais enfin bon, c'est pas mal déjà, oui, signal de 9 plus 10, c'est bon, on fait 1000 points, c'est super, mais oui, à 54 mètres au-dessus là, c'est pas mal. 54 mètres. Ah d'accord, ok, je savais pas la hauteur du pont d'Aquitaine. Eh bien oui, ouais, voilà, ça y est, je suis redescendu de l'autre côté. Je suis à la hauteur là, du château là, de l'Orbeau. Ah ok, mais là, ça fait 54 mètres, ouais. Ah ouais. Ouais, voilà, là je suis quasiment, je suis à 600 mètres de la sortie de l'eau, tu vois. Ah mais là, t'arrives à tirer qu'un maintenant, ça y est là. Alors, c'est la rocade rive droite, hein, que... Oui, ok, compris. Ouais, je vais passer à côté de chez Ricard, ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, bon, je suis en train de surveiller le rétro. Ça freine d'un côté, ça double de l'autre. Ça y est, c'est bon, je me suis inséré. Oui, je passe à côté, ouais, pour attraper la rocade rive droite. Après la sortie 26, direction Libourne. Et puis direction Libourne, direction Castillon-la-Bataille, après ensuite. Ah ok, Castillon-la-Bataille, oui, oui, oui. Non mais c'est dans la sortie où il y a un nouveau radar. Où il y a le nouveau radar. À quel endroit tu parles? Ah d'accord, non j'ai pas vu, je suis pourtant passé ce matin, mais bon j'ai pas fait gaffe. Moi je prends la sortie 26. Voilà, c'est celle-là qu'on prend, la sortie 26, pour la voie rapide, c'est la nationale 89. Oui, c'est ça, oui. Jusqu'à
la sortie 9 pour attraper ensuite la rocade. J'en surveille un dans mon œil droit, un chi. Et ouais, il est en train de me serrer. Tac, voilà, un coup d'accélérateur, c'est bon, c'est passé. Ok, voilà. Ouais, je prends la sortie 26 pour attraper la nationale 89, puis après la sortie 9 au bout là-bas, la rocade de Libourne. La rocade de Libourne, direction question de la bataille, direction Bergerac. Ouais, ouais, parce que Jean, normalement, il est programmé pour prendre ses filles à la voilà. D'accord. Voilà, toi, je suis en train de passer là, entre les deux stations essence. Ok, voilà, la sortie 26. Alors, le camion, c'est fait, la sortie 26. Bon, ben voilà, ça y est, je suis dessus. C'est bien, ok. Bon, c'est pas tout, ça, je vais t'essayer, puis bonne continuation, et puis on se revient au QRA, et bien, passez de bonne soirée, et puis bon, plaisir à t'entendre dans la QRV, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Ok, et puis pour le QSO du Canal 27, ouais, j'ai bien reçu le message, il n'y a pas de problème. Les bonnes QSO 13-51 à toi, merci pour ce QSO, il n'y a pas de problème, et à la prochaine. 73, bonne soirée, bye. C'est bon.